Tout serait parti d'un incident survenu sur le réseau interconnecté qui alimente une partie du sud Cameroun en énergie électrique selon les agents de la Société Nationale des Transports de l'Énergie Électrique Sonatrel, lesquels ont souhaité garder l'anonymat. Ils parlent alors d'un effondrement sur une ligne au niveau du barrage de Sonloulou. C'est ce qui justifie des nombreuses perturbations de la fourniture en énergie électrique que Yaoundé et ses environs connaissent depuis quelques jours. Le top management, obligé de faire une descente sur le terrain pour mesurer l'ampleur des dégâts, c'est dire que l'équipe de maintenance de la Sonatrel est donc à pied d'œuvre pour le retour définitif de l'énergie électrique, mais aussi assurer la qualité des travaux pour que les villes du Cameroun ne connaissent pas de perturbation en énergie électrique. D'où le retour progressif constaté de l'approvisionnement dans la ville de Yaoundé, une action salvatrice qui entre dans le cahier des charges de la structure, c'est-à-dire réhabiliter une bonne partie du réseau de transport de l'électricité au Cameroun devenu vétuste.